Les plus beaux endroits à visiter en Australie, Uluru, Sydney. La grande barrière de corail. Kangaroo Island. Parc national de Kakadu. Great Ocean Road. Le Kimberley. L'Outback. Tasmanie. Et enfin, les Whitsundays. Uluru, aussi appelé Ayers Rock, est probablement le site le plus célèbre d'Australie. Situé dans le centre rouge, cet immense rocher, bien ensemble du pays, mais aussi histoire aubergine du territoire du Nord. Un voyage à Sydney, c'est découvrir la splendide baie de Port Jackson, les quartiers historiques de Darling Harbour et The Rock jusqu'à l'Opéra, les places dorées de Bondi ou de Manili. La grande barrière de corail, inscrite au patrimoine mondial, s'étend sur plus de 2000 km dans l'océan Pacifique et descend le long de la côte est du Queensland. C'est le récif le plus étendu au monde. Thank you.
C'est au large d'Adélaïde, en Australie du Sud, que se trouve Kangaroo Island, le petit coin de paradis. C'est l'île nature par excellence, l'un des rares endroits en Australie où on peut observer en liberté des kangourous, des pingouins, des wallabies, des humus et des koalas. Situé à 3 heures de Darwin, le parc national de Kakadu est un des incontournables du Top End et des territoires du Nord inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Kakadu est le plus grand parc d'Australie et s'étend sur 200 km. Explorer l'une des routes courtières les plus touristiques et les plus belles au monde, la Great Ocean Road. Elle offre une de superbes vues sur l'océan, une côte sauvage, des forêts tropicales et des lacs carter qui abritent des animaux fascinants et des plantes exotiques. Situé au nord-ouest de l'Australie occidentale, le Kimberley est un des derniers espaces vierges de l'Australie, au paysage de savane, de bois et parsemé de gorges. C'est l'une des régions les plus reculées et les plus spectaculaires de l'Australie.
L'Australie du Sud est l'endroit idéal pour partir explorer l'outback au nord de la péninsule d'Eyrie et des Flinders, s'étend d'outback de l'Australie du Sud. Le seul état insulaire est aussi la plus petite Australie. L'île sauvage de Tasmanie est devenue une destination vacances incontournable, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO comme zone de nature sauvage de Tasmanie. C'est une destination unique pour sa flore préservée. L'archipel de Western Day regroupe 74 îles continentales entre Mackay et Early Beach. C'est James Cook qui découvrit les Western Day, un des plus beaux sites au monde. Prévisite des amateurs de voile, aux plages de sable blanc, aux eaux d'un bleu profond et qui abrite une faune sous-marine.